Salut à tous, ici Mix Pabon pour cette deuxième vidéo sur la poutine. Donc aujourd'hui on teste la poutine du Nick et Pic. Je fais juste un petit rappel que je fais des indépendants. Par contre, je vais faire aussi des chaînes, ça je vais vous faire rappeler. Donc la semaine prochaine ça va être une chaîne, ça va être une surprise là, pour la chaîne. Une chaîne de restauration que je veux plus vous dire. Là, aujourd'hui, on essaye la poutine du Nick et Pic. Donc, la petite format, elle vient 5,85 plus taxe, ça vient 6,72. Donc, pas cher. Donc, on va goûter cette poutine-là. Fromage, des patates faites maison, je pense bien, parce que des fois, certains restaurations n'utilisent plus ils épluchent plus les patates, c'est déjà comme fait acheter ou whatever. Gardez-moi ça comme c'est bon. Donc, c'est vraiment. Ça semble tout pareil un à l'autre, mais la sauce est différente comparée à celle de d'autres restos. Fromage est frais. Bon, je trouve que c'est toujours meilleur à emporter que manger frais là-bas. Ça dépend aussi pourquoi. Si la sauce est super chaude, et le fromage fond vite à votre assiette quand vous mangez en restauration, c'est sûr que c'est meilleur. Donc, la sauce est délicieuse. Les frites sont bonnes. Bon, je me sais partout, mais c'est pas grave. J'ai des napkins. C'est bon en tabarouette. Fait que je donne un 8,5 sur 10 pour la poutine du Nick et Pic. Très bon. Ça, c'est une petite. Moi, j'ai l'air d'une moyenne pour moi. Très bon. Par contre. Et il est rendu de mélanger le fromage un peu. Ils mettent les frites, sauce puis le fromage par-dessus. Mais... Il faudrait qu'ils mélangent un peu des fois. Puis ça donne plus le goût. Ouais. C'est super. Donc pour ceux qui aiment manger la nuit, genre. Qui ont faim, comme un gars comme moi. Nick et Pic, c'est un choix, c'est parce que c'est ouvert 24 heures. Donc, en plus, qu'ils offrent des déjeuners, tout ça. Une très belle place aussi. Ils ont changé de menu en année. Fait que cette année, ils ont la crise cardiaque, je pense, comme poutine. Elle coûte 33$ et plus, je sais pas combien. C'est bon pour 4-5 personnes. Puis, aux autres, il paraît dit que le monde soit prêt à la finir. Fait que. Nécessairement à emporter parce qu'il le fait pas pour vous. Sinon, ça serait trop cochon devant ses clients. Donc, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. N'hésitez pas à me faire des commentaires ou liker ou dislike cette vidéo. Et aussi, pas d'oublier de vous abonner aussi. Donc, on se revoit jeudi prochain. Ciao tout le monde.